Salut tout le monde, c'est Romain du Gaming Show, donc bienvenue à tous les amis gamers et gameuses qui me regardent. Aujourd'hui, petite découverte d'un jeu qui s'appelle Obduction. Je ne connais pas, mais sur l'Epic Games, il y a des jeux gratuits tous les jeudis, hein, pour info si vous ne savez pas. Il y a des jeux gratuits tous les jeudis, il y a des jeux super sympas, il y avait NBA de K21, je crois, qui était gratuit, le reste c'était un petit peu de bouse. Et là, il y a celui-là qui a pas l'air mal du tout, Obduction, que j'ai pris. Donc, on va découvrir ça ensemble. J'ai pas regardé du tout de quoi il s'agit. Donc, bah, ce sera la surprise. Si ça se trouve, c'est une daube. Si ça se trouve, c'est très bien. Donc, on va voir ça. Pour information, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Normalement, vous avez le lien dans la description du Twitch. Nous avons aussi un YouTube. Vous n'allez pas y voir grand-chose de nouveau. C'est des vidéos souvent qu'on upload de Twitch. On va faire d'autres vidéos qui aura pas sur Twitch, comme des vidéos de présentation. Hein. Donc, vous pouvez toujours vous abonner à notre YouTube. Ce sera avec plaisir. Et voilà, alors Obduction. Alors, on va déjà voir au niveau ombre. Bah alors. Ah, on va mettre une ombre quand même, c'est plus sympa. Sous-titre français. Ok. Volume. Très bien, je joue à la manette, on m'a fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Donc je joue sur PC, à la manette dans mon canapé. On m'a dit, oh, personne joue sur PC à la manette. Si, moi je joue sur ma télé, ma tour est branchée sur ma télé, avec la manette. J'ai tout simplement pas de place pour l'instant pour faire un bureau, faut que je fasse des travaux, bref. Donc je joue à la manette, c'est tout à fait possible et sympathique. Donc pour la petite anecdote, je voulais une PS5, sauf qu'avec la pénurie, c'était compliqué. J'ai revendu ma PS4, donc j'avais plus de console. Et plutôt que d'acheter une PS5, je me suis dit pourquoi je prendrais pas un PC, les graphismes sont encore plus beaux que sur PS5, on peut tout faire, c'est un peu plus cher à l'achat, sauf que les jeux sont beaucoup moins chers, voire gratuits, donc au final on s'y retrouve largement quand on sait que le prix d'un jeu sur PS5 c'est 80 balles. Hein. Donc à 79 euros vous avez un jeu sur PS5, ça fait mal au cul quand même. Donc voilà, je joue sur PC. Donc j'ai une 2080, RTX 2080 Ti, donc normalement on est pas mal. Alors, nom de partie. Hop là. Découverte. Déplacement libre, tout à fait. Ah, ça a l'air relativement beau, c'est sympa. We all lost everything. Par contre, j'ai pas de son. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. Vous devez avoir du son. I was three. Je pense que c'est pas la bonne sortie. Toc. Voilà. Beaucoup mieux. Allez. Je ne connais pas l'histoire. Hein. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà joué à ce jeu. Oh, bah dis donc. C'est original. Un feu de camp là-bas. Petit barbecue. Only campfire, ok. Cette lumière est la source de nos nouveaux récits.
À traverser le ciel. Ah, je peux plus bouger là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une grosse noix. C'est quoi ça? C'est un truc extraterrestre ou... Oh, un problème de caméra. Je reviens, les amis. Je reviens. Bah, c'est pas grave, vous aurez pu ma tronche, c'est très bien comme ça, hein? Alors. C'est mon socle en fait qui... Mon support caméra qui a plus de batterie. Tout simplement. Rien de bien grave. Allez. C'est beau, hein, c'est assez joli. Pour un jeu gratuit, c'est pas mal. Donc ouais, n'hésitez pas, si vous jouez sur PC, hein, tous les jeudis sur l'Epic Games, vous avez des jeux gratuits. Hein. Il y avait NBA, il y avait Just Cause le 4, je crois. Celui-ci, là, qu'on teste. Welcome to Unwrapped. Je sais que cette merde... Très bizarre. Je peux pas interagir avec ça. Non. J'ai pas l'air de pouvoir interagir du tout. Une maison. Alors c'est même pas une ville, là, peut-être. Marc, il y a un truc là-bas derrière. Ah, il y a des rochers qui volent. Ok. Ça a l'air assez particulier. Alors par là, c'est carrément les gros rochers. Il y a une ligne de chemin de fer. Bon, je pense que le but, c'est que j'aille vers la maison. Alors, le truc, c'est que je connais vraiment pas le but du jeu. Ouais, il y a carrément des baraques là-bas, ok. Il y a une bestiole qui vient de sortir de là-dedans. Je peux pas prendre ce truc-là. Hein. Alors, cette maison, elle a l'air plutôt bien conservée par rapport à celle qu'il y a là-bas. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres.
Farley. 1, 4, 3, 6. Encore ce truc là. Community Center, ok, d'accord. Donc logiquement, Community Center est censé avoir du monde quand même. Merde. Comment ça, c'est fermé? Rester à l'écart de tout ce qui peut ressembler, même de loin, à ce schéma. Jusqu'à désactivation. D'accord. Poser par une fenêtre. Non. C'est quoi ce bruit? Ah, il y a encore la bestiole. Est-ce qu'il faut que je la suive? Je peux pas la retrouver sur le toit, là. Pas une échelle, quelque chose? Non. Bon, on va la découvrir ailleurs, hein. Une espèce de petit train, je sais pas quoi. Bon, là, il n'y a rien. C'est un cul-de-sac. Ok. Je sais pas quoi faire les amis, est-ce que je suis les rails ou est-ce que je vais voir les autres maisons là-bas? Je serais bien tenté d'aller voir les baraques quand même. Est-ce que les rails ils vont me ramener dans la pampa là-bas là? Oula. Ah, attends, j'ai ma manette qui bug décidément ce matin. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Hop. J'arrive. Bon, donc j'ai dit, ouais, si on suit les rails, j'ai peur de me retrouver dans la pampa là-bas, hein, par des rochers, j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose. Bon, les apparences peuvent être trompeuses, tu me diras. C'est quoi ce rayon là? Ok, bah j'ai bien fait venir par là, je pense, il y a un rayon rouge là-bas. Petite maison condamnée. Ok, ah, ça fait vraiment village fantôme, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Hartnell. Par là, ok. Il y a encore du linge, il y a du monde, hein, c'est pas possible. Il y a un changement d'ambiance, je dois approcher de quelque chose parce que, comme vous entendez, la musique est pas du tout la même. Encore un passage là-bas. On peut monter là, pourquoi? Je vais aller voir ce que c'est que ce foutu rayon là. Je pense que c'est le but de toute façon, mais ça m'intrigue. Je crois que je peux pas sauter. Ah, il y a aussi un rayon bleu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je peux pas descendre là? Petit potager. Eh ben, ils ont pris cher ce pied de tomate. Mais ils sont encore là, c'est qu'ils sont pas si vieux que ça.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? M'a rien fait, ça. Ça va être la même chose que les trucs que je vois depuis le début. Alors ça se trouve, faut que j'active les autres. Alors comment? Là, je peux pas monter. Pourtant, il y a un escalier là-bas derrière. Pouvoir monter là si je suis ce truc là. Est-ce qu'il faut que je monte et que j'essaie de les éteindre ou est-ce qu'il faut que j'essaie d'allumer les autres? Ou est-ce que ça n'a rien à voir du tout et je suis pas censé toucher quoi que ce soit là-dessus? C'est ce truc là là. Je peux vraiment pas interagir. Est pas posé sur des rails, non? Bah non. Pas du tout. J'arrive à monter peut-être et à suivre la. Est-ce que je peux monter quelque part là-dessus? Ok, ça ramène là. Toc, toc. C'est vraiment chelou. On dirait que c'est un truc créé de toutes pièces au milieu d'un. Au milieu des roches, là. C'est qu'une illusion, j'ai l'impression. C'est vraiment bizarre. Ida, je ne sais pas quoi. Encore un truc rouge là-bas derrière. John Farley, Robert Hartnell, Unras, c'est toutes les familles qui habitaient là, j'ai l'impression. C'est ce qu'il y avait sur les boîtes aux lettres et sur la façade de la maison. Hartnell aussi, John. Hartnell encore. C'est bizarre, les deux sont enterrés ensemble. Farley et Hartnell sont enterrés ensemble. Il y a des trucs bizarres quand même. Putain, il y en a combien de tombes là? Sims.
C'est un intrus, lui. Sarah Hartnell. Margaret Hartnell. Anna Jackson. Tout ce qu'ils ressemblent, même de loin, ce schéma jusqu'à désactivation. Putain, mais. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi je peux pas interagir? Il doit bien y avoir quelque chose. Ah, il y a un bouton là. Au cas où, bienvenue, mais l'endroit n'est vraiment pas sûr. En deux mots, nous nous préparons à nous battre. Je ne sais pas ce que vous découvrirez, mais je me suis dit que je devais. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Alors, il faudra déjà que je croise quelqu'un. Prudence. Ah, ouais. À bientôt. Et ne paniquez pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Découvrirez qu'Unrat peut être un endroit agréable. Ouais, d'accord. Encore le même message? Ouais, ok. Même si en plus, d'accord. Bon. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Ok. Donc, elle avait un message. Est-ce que les autres ont aussi des messages à me donner? Je sais plus, il y en avait un là-bas au milieu, c'est sûr. Semblait qu'il y en avait d'autres plus près pourtant. Salut vieux. Ok. Bah non, justement, j'ai croisé personne. Beaucoup étaient amenés ici comme vous. D'autres sont nés ici. Ah, mais il n'y a plus personne, mon vieux. À nos yeux, nous faisons tous partie d'un ensemble. D'accord. Il y en avait un par là, je crois. Voilà. Encore toi, hein. Tout le monde l'a toujours connu ici, cet arbre. D'accord. Ce qui abrite notre petite serre, la cellule où nous vivons. Ah bah voilà. Notre écosystème, c'est ça. Au fil du temps, nous arriverons de nombreuses surprises. Notamment d'intéressantes graines que vous apprendrez à connaître. Nombreuses théories courent. Nous ne savons que très peu de choses sur ses origines, d'accord? Nous savons qu'il faut veiller sur lui. Peut-être que j'allais le voir. Ok. Merci mon vieux. Donc tout ce qui est légumes, là, ça doit provenir de ça, là, qui a donné des petites graines bien sympathiques, a priori. Je suis pas allé par là tout à l'heure, tiens, mais non. Fermé, ok. Mmh.
Je peux pas aller voir l'arbre? Pourquoi je peux pas aller voir l'arbre? Ah merde ça! Pas un autre accès? La porte là, elle est bien fermée, on est bien d'accord? Ouais. Que ça et pourquoi je peux pas l'ouvrir ça? Il y a le câble jaune qui arrive là, ça c'est la flotte pour c'est l'eau ça. Le câble jaune il vient de là. On est bien d'accord. Je peux pas aller ouvrir la vanne là-haut là. Ah, il doit y avoir un truc à faire ici, mais bon, c'est peut-être plus tard, hein. C'est assez original comme jeu. Ah, il y a ça sur toutes les façades de maison. Toi, je t'ai parlé. J'ai l'impression que j'en ai raté une. Là, il n'y avait pas d'autre que ces deux-là, je crois. Hein. Sert à rien, ça. Je vais voir de l'autre côté, j'y suis pas allé encore. J'ai rien à prendre là. J'allais faire un tour à gauche. N'est pas encore allé par là. Et là-bas, là, il n'y a rien. Ok, bon. Il y a un là, non, c'est quoi ça? On voit rien encore. Waterfall. Tous les éléments du système sont étroitement liés. Ouais. Le fait que l'un des éléments les plus vitaux nous a prodigué à amener nombre d'entre nous à penser que cet endroit répondait à un but. D'autre part, il s'agit d'un processus naturel complexe que nous espérons comprendre un jour. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir toute l'eau qu'il nous faut. Mais écoute, merci Jean-Pierre, hein. On fait une belle jambe. Je peux pas aller me prendre un petit bain. Et non? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est une espèce de barrage, non? Encore une mine là-bas. Ça sert à quoi celui-là? Pomper de l'eau ou... Bah, écoute, normalement c'est pour pomper de la flotte. Je peux passer par-dessus. Non, forcément. Ça m'a étonné qu'elle soit ouverte celle-là aussi. Depuis le début, tout est fermé partout.
Bon, là, j'ai ouvert là. Est-ce que ça marche si je pompe ici? Je vois pas trop le schmilblick là. Par là, y a rien. Ah non. Ce truc-là qui bouge, pourquoi ça bouge? Ça se soulève là-bas en face. Je dois pouvoir monter, il y en a un là-haut. Pardon, excusez-moi. Et puis les trucs d'énigmes, c'est pas trop mon truc. Hein. J'aime bien quand c'est bourrin, ça fonce et basta. Je suis pas terrible là-dessus, moi. Ça, j'ai regardé la flotte. Ok. Je peux pas monter quelque part. Hein. Là, l'aiguillage est collé à droite, donc le train irait à gauche. Et moi, si je veux que le train aille à droite. Je parle d'un train, je sais même pas s'il y a un train en fait. J'ai pas vu de train, je sais pas si ça vous dit quelque chose, vous. Là. On peut aussi récupérer de la flotte de là, non? Ça doit être tout vide. Toi, je peux pas interagir avec toi, non? Pas de train non plus. Hein. Non. Je sais pas ce que je dois faire, c'est horrible. Qu'est-ce que j'aime pas cette sensation de chercher pour rien là? Je sais même pas dans quel sens. Mais c'est étonnant que ce soit obstrué partout parce que je peux agir sur les bouts, sur les aiguillages. Donc c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui passe. C'est une navette spatiale là-bas derrière. C'est mon bonhomme qui siffle. Bon. Ça, c'est des câbles électriques, je suppose.
parle pas, hein. Je dois peut-être activer d'autres trucs comme ça. Bon, ça c'est le même mot, je pense, hein. Voilà, le petit carré. Ok. Pas aller par là, je crois, mais ça va être pareil. Je vais m'en trouver bloqué, tu vois. Oh, encore la bestiole. Hein? Je te suis, petite bestiole. Tu m'indiques un chemin. Eh ben, je vais aller voir parce que de toute façon, là, ça sert à rien. Ah, ça fait comme un. Je sais pas si vous avez déjà suivi la série Under the Dome. Eh ben, on dirait qu'on est dans un dôme en dehors de tout, c'est bizarre. Hein? Une porte qui s'ouvre, enfin. Ouais, ça me donne rien, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas sauter? Je m'en fous de ta photo, je vais sauter. Y a un bruit bizarre. Pourquoi les pierres font ça? Ben merci à toi, petite libellule, mais ça ne me dit pas ce que je dois faire. Ben c'est encore bloqué. Il y a un truc avec la flotte, je pense, hein. Il y a déjà un truc avec les projecteurs holographiques et il y a un truc avec la flotte. Ce qu'il a dit, son petit message tout à l'heure sur l'eau, là, ça m'intrigue. Tiens, je vais passer par derrière. Ah, bah tiens. Hello. Oui, bon, on a bien compris. D'accord. Allez, Joseph. Ah ouais, d'accord. On va m'aider, mais ouais. Clôture blanche. Farley vous y retrouvera, vous présentera votre nouvelle vie. Ah bah je l'ai déjà vu tout à l'heure Farley en fait. Je l'ai vu tout à l'heure, c'est la petite bonne femme, mais bon. Ça m'aide pas beaucoup son histoire. J'en démords pas qu'il y a un truc avec de la flotte quelque part. Oh, alors. Oh. Ah, c'est le truc du début, ça. C'est bizarre quand même ces impasses à la con. Et pourquoi je peux prendre une lampe si je peux pas y aller?
Ça a pas l'air mal comme petit jeu, hein. Ça pousse à la réflexion. Là, il y a plein de points. Les hologrammes, la flotte, le fait qu'on puisse prendre une lampe à pétrole. Et lui, pourquoi il se retrouve en plein milieu de nulle part? C'est bizarre aussi, il y a des trucs bizarres. Je pense qu'une fois qu'on a découvert un peu. Ok. Là-bas, c'est bouché encore. La clôture, je l'ai faite tout à l'heure. J'en démords pas qu'il y a un truc avec la flotte. Il y a l'arbre. Il y a le tuyau d'arrosage jaune. L'autre, il me parle de l'eau qui est précieuse, je sais pas quoi. Qu'ils ont illimité. Ici, il y a la flotte. Toi, je t'ai parlé déjà. Il doit y avoir une cascade quelque part. C'était pas une cascade ici, là. Il y a le truc là-haut, là. Ça, je l'ai fait, y a rien. Ah, y a bien une cascade quand même. Allez, là, la cascade. Ah, donc c'était pas là-bas. Il y a un truc avec la flotte. Je peux avancer par là. Pas passer par derrière. Un bouton. Ah ouais, j'ai mis du temps, ouais, je sais. Hein. Oh. Et toi qui es-tu, toi? Ah oui, je suis nouveau. Ouais. J'arrive pas au meilleur moment, je m'en serais douté. Dans cette prison que le reste d'entre nous. Ah bon? Prison? L'attente va prendre fin. J'imagine que je pourrais me charger de tout s'il le fallait, mais. Ah, il y a toujours un mais dans l'histoire. Ça irait plus vite avec votre aide. Ah bon? Maudite bataille avec les Carfin Mofang. Non, tout ou rien, j'ai un peu d'énergie ici. Et j'en ai besoin. Si vous pouviez vous occuper de rétablir les lignes d'énergie. Ah bah voilà. Je vais m'occuper de mes appareils. Ouais. Donc rétablir les lignes de machin. Ok. Bon, réfléchissons bien. J'ai vu un truc électrique tout à l'heure. Mmh.
Putain, je dois bien pouvoir monter, bon sang de bonsoir. Ah. Oh. Ouais, c'est pas très safe son truc là. Là, si je vais là, je redescends. Et là, je dois pouvoir monter encore et encore et encore. Ok, et là, si je redescendais, je serais arrivé au truc rouge. Ah, bah, c'est pas con. Ouais, j'irai tout à l'heure maintenant que je suis là. La cascade. Ah bah c'est le truc que je disais tout à l'heure en bas, qui serait de cascade, ok. Donc à tous les coups, ça je vais pouvoir l'ouvrir. Ah j'ai compris, je crois que ça va pouvoir dévier le... Ah ouais. Et bah du coup voilà, j'ai mis la cascade là où j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et là, il n'y a plus. Si je continue par là, qu'est-ce que ça va me donner? Ah bah rien, voilà, j'arrive comme d'hab. Il y a encore ces trucs rouges, hein. On va redescendre alors. Maintenant que j'ai dévié la cascade, on va aller voir. Je vais voir si je peux accéder au truc rouge maintenant que je suis là. Non, je peux pas interagir du tout. Ok. Bon. Ma petite, ma grosse cascade, maman. Et non, sympa là ce qu'on a fait. Et du coup, là. Là. Je peux interagir avec ça, on a vu tout à l'heure. Ok, à quoi ça me sert ça? L'eau est bloquée à droite, pas à gauche. Ça, j'ai vu que ça faisait bouger ce truc-là tout à l'heure. Donc si je l'actionne... Ah ouais, d'accord. Ah, oh, ok. Ah ouais. Ah, c'est recherché quand même, hein. Bravo, messieurs les développeurs.
Je peux aussi emprunter l'autre chemin, d'accord. C'est super sympa. Oh, un manège. Non, c'est pas un manège, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il y a une grosse boule comme ça là? Oh. Ok, c'est très bizarre. Très 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 bizarre. C'est pas ça le truc électrique là, il m'a demandé de rétablir un truc tout à l'heure. Putain, tous les coups c'est ce truc là. Allez. J'en profite, hein, je découvre, je vais sûrement amener revenir. C'est fermé, ça tombe bien. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon bah je sais pas là. Il y a une porte d'entrée là, une passerelle à droite là. C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai, hein.
pas là. Où est-ce qu'il faut que je passe là? Je peux pas y aller. On est bloqué. Je peux pas aller à la petite passerelle. Alors, attends, on va ressortir de là. Le seul truc que je pouvais faire, c'était cette putain de locomotive. Donc j'ai appuyé. Mais c'est quoi le tuyau là? Oh, attends. Donc là, j'ai mis ça sur on, d'accord. J'appuie là-dessus. Ça veut pas. Ça veut pas parce que je dois devoir peut-être pomper quelque chose. J'ai rien pour pomper du tout là. J'ai pas une manivelle, quelque chose. Je peux pas descendre là. Ah oh, putain, des pompes à essence. Ok. Et ben voilà, une manivelle, bah c'est parfait. Alors. On est bien, on n'est pas bien là. Bon, pépère. Bon, j'ai rejoint un tour de manivelle, ça se trouve, il n'y en a pas assez. Ça veut pas. Si j'éteins ça. Ah non, ça me sert à rien, ça éteint ça. C'est pas ça qui va empêcher le fonctionnement. Putain, on est bien d'accord. Là, c'est un câble électrique. Ça, j'ai pris en photo, parce que je pense que ça peut être utile. Est-ce que je peux accéder à mes photos, tiens d'ailleurs? Ah, les photos, ok. Lui, pourquoi il veut pas?
No smoking, tu m'étonnes. Bon. Ah, les papiers. Pourquoi il veut pas? Bon, attends, je vais mettre ça sur off. Ça se trouve, c'est ça qui me fait merder le truc. Là, je suis toujours vide. En fuel. Ah, écoute, on va essayer ça. Allez. Bon. C'est la DRDD, hein. De l'autre côté, trou du cul. Ah, là, on est plein. Est-ce qu'il faut remonter le truc rouge? Ah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça va le faire. Eh bah, c'est génial. Le voyant est devenu jaune maintenant. Alors, donc là, on va faire start, hein. Et bah voilà. On a rétabli le courant. Du coup, ça doit être ça le gros câble qui alimente, je suppose. Oh, ça a l'air d'être rétabli, mais pas partout. Bon, on va retourner voir l'autre. Va être content. D'où je viens, où je vais. Nanana nanana. Allez. Retournez voir Cécile, je crois il s'appelait. Cécile. Voilà mon œuvre. Magnifique cascade.
Allez, viens là, toi, trop de balle. Les parois qui entourent cet endroit. Il faut que je fasse sauter la paroi alors. J'avais la paroi que cet appareil Mofang. Ce faisceau rouge, là-bas. Ok. Faut faire fonctionner pour rentrer chez nous. D'accord. Scarlett. Bon, on va s'arrêter là, les amis, hein. On fera le faisceau rouge une prochaine session. Je vais pas vous faire un live de Killer 3 à plombes. Voilà, ce faisceau rouge. Ah, c'est ça qui crée le dôme. D'accord. Bon, bah écoutez, on le fera sauter la prochaine, hein. Voilà. On fera un petit live d'une bonne heure. Bah écoutez, merci à tous de votre soutien, de votre suivi. Merci pour ceux qui nous follow, c'est super sympa. Comme on vous l'a dit, on organisera des petits tournois sur certains jeux avec des lots à gagner, hein, donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis bon, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis, ciao ciao.